1,93 pour le gasoil, 1,97 pour le samplon 95 à la station du relais des thermes de Pépin. C'est 2 centimes de plus qu'à la station Intermarché située à 7 km. Mais le gérant Jean-Pierre Seaglio a déjà réduit ses marges il y a quelques jours. L'initiative du carburant à prix coûtant, il ne la soutient pas. Si effectivement Intermarché et Casino se mettaient à être prix coûtant toute l'année, évidemment, je travaillerai beaucoup moins. S'ils font prix coûtant du carburant, ils vont se rattraper sur les marchandises qu'il y a à l'intérieur du magasin. Alors c'est complètement nul. Avec 2000 litres de carburant écoulés par jour, Jean-Pierre ne peut pas rivaliser avec les grandes enseignes. Alors il compte sur la fidélité des locaux. On discute mécanique, on discute de la pluie et du beau temps, voilà, on discute de véhicules parce qu'on a parfois la même passion. Et puis c'est ça vraiment les relations humaines, donc de discuter avec des gens, voilà, plutôt que de parler à une machine. Depuis quelques années, Jean-Pierre a diversifié son activité pour combler le manque à gagner. Avec la vente de bouteilles de gaz et la mise en place d'une antenne relais colis, il fait partie des derniers pompistes indépendants de la région.